Bonjour Cindy Fabre. Bonjour. Alors on vous connaît depuis 2005, l'année où vous avez été élue Miss France, mais depuis 2 ans, votre parcours s'est orienté vers la télévision. C'est un univers qui vous plaît ? C'est un univers qui me plaît particulièrement. J'ai appris dès que j'ai fini mon année Miss France avec Frédéric Joly, qui m'a confié Projet de couture en faisant des mini-comédies, et ça m'a donné envie de continuer dans ce domaine, notamment sur W9 avec des émissions documents réalité. Bon, alors La Plage des Secrets, c'est une émission de télé-réalité sur les rapports de couple et de séduction. Mais on a vu d'autres Miss France avant vous participer à des émissions de télé-réalité. Est-ce que c'est déjà des propositions qu'on vous a faites ? J'ai eu des propositions, oui, pour des émissions de télé-réalité. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Après, oui, selon le concept, c'est des choses. J'aime beaucoup la télé-réalité. Après, tout dépend du concept. S'il y a des concepts un petit peu originaux, moi ça me plaît. Bonjour et bienvenue dans La Plage des Secrets. Nous allons découvrir ensemble une aventure humaine hors du commun. Ces couples vont mettre en jeu leur histoire d'amour en étant séparés pendant 2 semaines. Ils joueront dans un décor paradisiaque, infesté de 10 célibataires à la recherche de l'âme sœur. Le but pour nos candidats ? Garder secrète leur relation de couple le plus longtemps possible. À la clé, un chèque de 100 000 euros. Mais pour mériter leur victoire, nos candidats vont devoir aller loin, très loin, parfois même trop loin. Séduction, trahison, tentation, voici le cocktail explosif de votre nouveau programme, servi tout chaud sur W9. Alors, La Plage des Secrets, ce sont 6 couples, la moitié qui se retrouvent enfermés dans une villa et 6 autres mélangés à des célibataires. Ils ont un secret, c'est d'être en couple. Ils doivent faire croire absolument qu'ils sont célibataires à ces autres célibataires. Et si malheureusement leur secret est dévoilé, si on a quelques soupçons, on peut éliminer le couple et ils n'auront pas la chance de gagner 100 000 euros. 100 000 euros, c'est une somme. Ça ressemble un petit peu à un mélange entre L'Île de la Tentation et Secret Story, non ? C'est exactement ça. L'Île de la Tentation, c'est de la séduction. Secret Story, on doit garder un secret. Mais là, c'est exactement la même chose, un mélange des deux, mais tout ça sur une île paradisiaque. Vous pensez que toutes les personnes qui se trouvent autour de la piscine sont célibataires. Mais en fait, plusieurs d'entre eux sont en couple. Il revient bien évidemment au vrai célibataire de découvrir qui est en couple. Tout le monde peut être soupçonné d'être un pseudo-célibataire, ce qui est dangereux. Moi, j'ai vraiment bien accroché à ce genre d'émission. On n'a pas encore vu ce type de docu-réalité en France. C'est nouveau. Et en même temps, pour un programme du vendredi soir, c'est assez sympa, croustillant. Il y a toujours, ça bouge toujours, il y a toujours du mouvement. Anouchka est rentrée entièrement dans sa peau de célibataire et elle enfreint toutes les règles qu'elle avait fixées avec Nick, son conjoint. On se demande toujours ce qui va se passer, puisque c'est important. Certes, il y a un secret, mais les couples se sont posés des limites avant de partir. Et malheureusement, les limites vont être repoussées. Et dans ces cas-là, il y aura des clashs. Les couples enfermés dans une villa, c'est assez frustrant pour eux, parce qu'ils voient leur moitié vraiment sous un autre angle. Donc oui, c'est assez sympa. Dans la villa des concubins, le grand moment de vérité est arrivé. Pour la toute première fois, ils peuvent voir les images de leur partenaire sur Bikini Beach. C'est une torture pour la moitié des conjoints qui se trouvent dans une villa, puisqu'ils pensaient connaître leur moitié. En fin de compte, ils les découvrent sous un autre angle, pas forcément sous lequel ils pensaient l'être. Franchement, entre nous, il y a quelque chose. La Plage des Secrets, c'est tous les vendredis soirs à partir de 23h15 et ce jusqu'à la mi-juin. On va gagner. Tu veux qu'on se dispute là ou quoi ? Dieu seul sait tout ce qu'il a pu faire avec les filles. Je boue à l'intérieur, c'est devenu une guerre psychologique. Je veux partir d'ici. La Plage des Secrets, présentée par Cindy Fabre, vendredi à 23h20 sur W9.